Je n'ai quitté 3 avril 2000 là, journaliste, commentateur politique et directeur radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, quitté la Kaeli pour le talent radio, Jean-Léopold qu'on habitué fait ça. Jou ça, c'était dernière fois, l'étape bien chance, embrasser madame Michel Montas. Dans matin ça, Bribot a déchiré silence station. C'était assassin qui était venu prendre. Rentré Jean-Dominique qui entré dans la cour radio. Assassin lui traînait dans la cour et puis je joins quoi journaliste là à terre qui t'a nagé dans sang. Bon côté l'agent sécurité Jean-Claude Louis Saint qui t'a vidé sang tant que pour lui a touyer pour faire sacrifice. C'était dernière fois où t'a respiré un petit l'air frais. C'était dernière fois Jean d'ou t'a bien pour le dire. Il est 7h. Ici Radio Haïti. Je n'ai quitté 3 décembre 2001. Journaliste Radio Ekoa, Brignol Lindo, mourit tête noire à côte roche, côte manchette dans Tigouave. 14 octobre 2005, quand journaliste le matin, poète Jacques Roche, tap drivé dans la rue Port-au-Prince, après avoir fini kidnappé, torturé. 14 mars 2018, c'était tout pas, photojournaliste indépendant, Vladimir Le Gagneur. Il disparaît sans madame ni, avec famille, pas jamais qu'à jouer une colle pour faire daily. Quelques temps après, Rospide Pétion, Nettie Duclair, Diego Charles, t'apprêtent à subir même sort. Après la mort de Rospide Pétion, Nathalie Soufri qui travaille dans CPJ, qui est un comité pour protéger les journalistes, lycée en même temps coordonnateur du programme Amérique latine à Caraïbes, lui a dit comme ça. Le tir audacieux du journaliste radio Pétion Rospide souligne les conditions précaires et dangereuses pour la presse haïtienne. Journée 23 septembre 2019, là, photojournaliste qui travaille pour Associated Press, Dionel Lyochéri, recevait une balle devant Palman. Il était obligé de transporter l'hôpital en urgence. 21 juin 2021, journal en ligne Alte Press apprend nous dans la rubrique criminalité, le photojournaliste Dionel Lyochéri contraint de laisser Haïti suite aux menaces persistantes de groupes armés. Depuis l'ère, menaces, intimidations, violence, assassinat a continué fait sous journaliste. Kaki Pirissan, c'est Garites qui mourit tête noire. Yo joine cadavre col sous yon pont, jour lundi qui était 24 octobre là. Journée qui était 25 octobre là, journaliste quotidien Le Nouveliste, Robertson Alphonse, chappé en bas tentative assassinat. Pour qui ça tout journaliste sa yo mourir assassiné? Pour qui ça toute violence sa yo sous journaliste? Jean journaliste Robert Lodimus t'a dit ça. Ont-ils eu les mots qui dérangent? Ça qui vient de passer, violence n'a pas aussi éclaté dans le 19e siècle, mais jusqu'à juste que sous l'occupation américaine, et surtout, il était éclaté époque Kakoyo, époque à partir de chute et Antoine Simon. Violence là vient éclater et jodi a violence là tellement éclaté, li pa nan men l'état encore. Si vous voulez nous pas reprendre ça ou secteur politique yo. C'est son discours ordinaire le pas aux ânes du discours de certains secteurs politiques à l'état haïtien et détient le monopole de la violence. Vous comprenez, yo remet slogan yo di bagay, mais jodi a faut expliquer comment l'État vient gon déficience dans sorte à carréler monopolisation violence là que li pa gagne même presque et violence là vient éclater à, mais son réaction tout était tellement concentré dans main un pouvoir totalitaire Koué Duvalier et jodi a ou pas contre qui secteur cap attaquer et dans 19e siècle là c'est l'État qui te con directement responsable la mort et journaliste. Donc vous venez gagner un dipita haïtien qui rentre dans la presse
faire haïtien la ville pour faire pour établir position yo. Ça vient ben une série de chocs de telle façon qu'au résumé américain quasi détruit tout sur les libertés de la presse en Haïti au début du 20e siècle. Bien sûr, il y a un pile journaliste qui est tombé. Et en 2004, en 2003, 2004, en 2001 et 2000, et Jean-Dominique et Chauffel là, ça ou senti que 2000, l'État frappé, mais on pas cap dit directement c'est l'État. Contrairement au 19e siècle et tout. Et on apprend Joseph Jody Bois qui est tombé en 1932 dans la prison. Il dit c'est Vincent. Oui, mais Vincent indirectement, gouvernement Vincent indirectement responsable. Même si là, Jody Bois a eu des problèmes de comportement. En général, dans l'époque, ça, c'est pas réellement intérêt masse peuple à la préserver. Parce que dans tout 19e et début 20e siècle, là, et tout pays sous la terre bénite, c'est pas nous-mêmes seulement, comprendre que y a une mission civilisatrice que l'élite fait pour porter bay malheureux. Oui, c'est Abdoula. Donc ça, c'est un mouvement la presse. Là. Pendant que la presse a parlé dans ce sens, ça, opposition réellement à l'effort américain pour mettre dans Basel, son opposition pour le faire dans les villes et surtout dans le système éducatif là, lycée à université. Et c'est opposition que ça pour le marché, pour le marché, pour le marché. Bon, Mbappé étant mais sous ça, mais ça qui vient important, c'est que le peuple a commencé à parler, le peuple a commencé à positionner, surtout dans l'époque chute Jean-Claude. Les gens qui ont pu tomber parce que toute époque où nous soi-disant a fait développement, toute époque qui a fait investissement, toute époque et enfin yo di yo pral faire et bay moun travail, peuple a regardé la pour si réellement li ka améliorer situation. Ou écoutez mi avou, mais là yo fin pa rend yo compte qui surtout Magloire, Duvalier, Jean-Claude, chaque jour ti crasse pain petit miette pain cap sous table a tombé pour yo chaque jour plus petit nous vinn sous bo Jean-Claude allait qu'il est pour gain tout une réforme de la présence de la presse. La presse parle commencer parler pour à tout haïtien. C'est le ça d'ailleurs créole commencer présent et théologie de la libération etc. et puis la presse parle commencer prendre une autre et insertion l'autre Jean li makone ko la peuple là contre système de krasizoa. D'après moi-même, c'est pas que le pas commencer en bon parce que nous depuis période d'occupation américaine il commencé non mais c'est réellement mais il commencé surtout comme une élite qui a proposé avec et blanc qui a prend pays à bruyon. Tandis que l'Henri vient dans deuxième moitié du 20e siècle là, la presse commençait à réellement identifier de plus en plus. C'est comme ça, Mouéli. De plus en plus avec sa peuple à gagner en tête. La société haïtienne est une société qui construit son réalité de violence. Réalité, ça sortit depuis 1804. Avec couper tête boulekay sorti la façon que nous prenons l'indépendance nous qui était une façon nous était une réaction qui était proportionnelle à la violence que nous-mêmes nous avons subi comme esclaves. Donc depuis 1964 nous avons subi violence lorsque nous vient à l'indépendance violence continue avec coup d'état et militaire et général etc. venir sous Duvalier donc ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivions dans la société contemporaine ça nous relève contemporaine là. Donc en fait qui ça nous est nous venons que c'est une société qui passe de une dynamique de une violence politique à une politique de violence. Donc en Haïti, nous pas seulement gagnons des violences de type politique, mais nous gagnons tout une politique de violence. Ça veut dire que nous construisons une réalité de vie sous la violence. Et je vous dis, jusqu'à présent, nous avons des journalistes qui tombent victimes parce qu'ils ont dit de bagailles que nous avons une autorité qui est autorité qui chef, qui paraît mal tuer. Pour ça, c'est un petit peu continuité de violence. Ça. Et si je vous dis, à côté de nous, là, je vous dis, jusqu'à présent, nous avons débattu et que nous avons parlé encore de l'intervention militaire, nous avons vu que nous sommes un peuple
dans la zone côté de la vivre là, qui a une particularité, une spécificité dans le rapport nous avec la violence. Je viens de déduire que nous pas seulement gagnons une violence. Nous pas gagner seulement une violence politique, mais nous gagnons une politique de violence, ce qui fait que nous parlons tout d'un concept, un concept qui est nouveau, parce que nous ne sommes pas venus déjà, dans, nous ne sommes pas venus exister, mais aller sur toute littérature, Google, etc., ça a été la violence haïtienne. Nous, par contre, nous avons parlé de violence haïtienne, nous avons parlé de crise haïtienne, nous avons parlé de littérature haïtienne, mais nous n'avons pas parlé de violence haïtienne. Donc, notre thèse est venue avec le concept de violence haïtienne. Oui, mais Dieu, ou pas capable réellement non problème de manifestation de la pensée haïtienne. On pense que c'est toujours contre ça l'État voulait faire avec nous. Et puis, on attend que nous n'a pas applaudi et puis on est content. Ouais. Puisque nous sommes pour nous faire dans le cœur. Mais il y a fond dans le cœur, nous tout. Ce qui arrive, c'est que nous-mêmes, nous pitié. Et nous sommes toujours pitié. Et nous sommes toujours connus que, comme d'adou la porte de sortie, nous sauvetage, nous c'est cabré. Nous ne pouvons pas arriver et à boumer avec nous égal égo. Donc, nous avons fait cohésion. N'a fait unité, n'a présenté opinion peuple là, faut faire attention pour ne pas prendre coup. Mais n'a prend coup. Et nous connaît faut prendre coup et nous connaît nous pour aller prendre coup. Vous comprenez ça me dit mais ça pas empêcher nous continuer comme ça. Donc et que le système établi a establishment j'ai dit en anglais a après rentrer sous la pièce de guide sous la presse de guidon, c'est pas étonnant et la presse comme ça et la presse connaît ce travail il a fait, elle connaît la mouille, il y a une série de l'autre monde tout dans bataille là cap mouille. Mais ça fait partie de job là. Est-ce que ça m'abdoula et mon yo pas accepté pour pas croiser bras yo pour ouais après jeter yo. Ouais ça m'abdoula donc maintenant sous moi de sac pour aller sortir qui solution pour gagner. Comment moi processus ça pour déboucher. M'abdou pas connait parce que m'pas connait qui bon d'abord mon yo pour aller suspendre ou bien pour l'accepter faire une espèce de trêve par contre qui bon nous-mêmes nous pour le bouquer tout et nous cap pas capable encore parce que réellement il y a une limite gain autant qu'à prendre parce que n'a prend coup et mais gain l'heure monsieur nous pas capable prendre encore cependant son bagage nous discuter entre nous donc n'a essayer et c'est pas un bagage nous pour demander ou pardon ça y est trompé si au besoin mettez dans genou pour nous faire. Et gagner cap mettre à genoux mais plus fort dans nous et de la presse en général quelle que soit variété la presse arrive même pas prendre position pour aucun élément spécifique dans la presse non nous la presse en général c'est la marcher avec l'opinion publique là presse là font un travail énorme en tant que dans des conditions exceptionnellement difficiles extrêmement difficile sous toujours journée jodia c'est yo k'ap bon nouvelle pour kon tout ça k'ap passé tout drame qui gagne tout ça gagne mais au fait en tant que chant ou capable dit quand qu'ou plusieurs spécialistes gagne des historiens qui étudient question c'est que presse la jodia permet ou kon ça k'ap passé dans pays d'Haïti mais en même temps gagne qui transmetteur d'information à chaud mais gagne qui gagne tendance fait commentaire et trois canaux fait commentaire et pour orienter opinion publique là et même souvent même orienter et influencer très très influencer et trois bagaille capable c'est que c'est le lieu du discours ordinaire la presse gagne un mariage il fait opinion publique là l'opinion publique n'a pas avancé, n'a pas coup, n'a pas perdu le monde qu'on y a, et nous fait commencer à perdre le monde parce que nous y venons en position, finalement, tout le peuple a qu'à parler d'une seule voix. Soti Wana Met Rive Tiburon, Soti Belance Rive Jean Rabel, c'est tout haïtien qui doit, par exemple, y a fait pays loc. Donc, nous n'y a pas connu comment pour gérer ça. C'est ça que nous pays ingouvernable, parce que nous mettons fait ses coréateurs, nous n'y a pas même qu'à faire un conseil électoral bon yo même pas même qu'a fait ça est-ce que ça me dit là parce que peuple là ouais dans jouet yo puisque métier à part définition son métier anti violence anti dictature anti autoritarisme anti arbitre c'est naturel comme ça c'est comme ça lié donc moun yo pas rien d'avoir ni pas jambe compte il y a toujours frappé ou sauf si ou même ou chita ou a fait député j'approuve. Mais debout pendant député j'approuve là, il y a frappe.
quand même. Donc, que vous avez essayé saigner la presse, hein, que vous avez essayé masquer les journalistes, que vous avez essayé faire violence, tuer ici et là, il a continué. Et les journalistes, il a continué quand même. Parce que c'est normal que c'est comme ça. Que yo, je ne suis pas capable d'attendre moi que vous même facilité les choses. Parce que c'est vrai, même moi, je m'a dit que ça a fait pas bon. Vous comprenez ça, mais c'est déchouqué, même ce type de déchouqué. Et vous comptez ça, et vous comptez ça. Je dis à nous connaissons comment la pluie tombe. La science dit nous comment la pluie tombe. Mais dans la mythologie grecque, nous avons pensé que la pluie tombe, c'est une déesse qui est posée en pine, qui a crié parce que petit garçon Hadès était sorti en bataille, il est monté en l'air dans l'horizon, il a enlevé petite fille qui est Cérès. Et que c'est là. Le poser puis paraît lui elle paraît petit lui il tombe crier et puis c'est ça qui fait la vie tomber c'est comme ça et puis c'est dans mot céréal là mot céréal la venir parce que les la vie tomber la tête donnée et puis céréal lui fruit côté fruit et puis les grains au céréal qui se sont dans le mot céréal mais comme faire parallèle là comme faire analogie c'est que là un monde attaquer un journaliste peut-être parce que il dit un bagage qu'il pas remet son ignorance lui il fonde son ignorance. Parce que moi, je n'ai pas compris ça, ça veut dire, un journaliste, comment le bail nouvelle. Un journaliste, gagne un processus pour le bail nouvelle. Le processus pour le bail nouvelle là fait que le journaliste obéit à une déontologie. Déontologie, elle gagne un ensemble de points là-dedans pour le journaliste à respecter pour le bail nouvelle. Un journaliste pas bail nouvelle parce que il décide de bail nouvelle, je le voulais, j'ai un peu le monde qui a compris. Le journaliste là, il gagne premièrement, il gagne un collègue de l'information pour le faire. Collecte de l'information, ça c'est un ensemble de sources que le gain qui rapporte l'information, qui va le faire. Lui-même ça le fait, il prend l'information dans les sources, il le traite. Il le traite et puis il garde ça bon là-dedans, ça pas bon le jeté, et puis dans le processus là, et puis sortir avec un produit fini qui est les nouvelles. Donc journaliste, alors, les nouvelles, c'est pas mon noué, autant de nouvelles, c'est pas lui vraiment qui est auteur de nouvelles, qui est responsable de nouvelles là. Son nouvelle, il prend un côté et il doit vérifier. Alors, on m'a parlé, bien entendu, pour journalistes professionnels. Ça me dit, elle concernait les journalistes professionnels. Il peut parler de monde qui utilisait micro pour faire politique, pour faire l'autre bagaille. Qui eux-mêmes, c'est un cas à part. Parce que le problème avec la politique, c'est politique, c'est capable de faire entre politiciens et politiciens. Ce n'est pas de vrais journalistes. Oui, eux-mêmes, au contraire, ils ternissent l'image professionnelle, ils font ça. Mais on m'a parlé de vrais journalistes. Vrais journalistes, ils ont des informations qu'ils sont capables de vérifier et confirmer. Et là, ils ont des comme ça. Ce n'est pas lui-même qui bat les nouvelles là, c'est les nouvelles là qui construit comme ça. Et en ce sens, ça le fait lui-même, c'est aider les deux sociétés à gagner information claire sur ce qui a passé, pour aider les sociétés à prendre de bonnes décisions. Permettre que je cite Radio Caraïbes. Côté que Pierre Renel René et Guerrier Diesel ont interviewé Mme Eugénie Romain au Canada, que M. Maurice Jean-Charles choisit comme monde qui est capable de partir en commission. Mais il y a une information qui dit que madame non, il a une nationalité canadienne. Donc voilà qu'on est là, sous tape suivre un débat, on a une confrontation d'idées entre journalistes avec madame non. Qu'est-ce que les journalistes ont fait? Les journalistes ont même essayé de chercher à mettre lumière sur le problème qui a posé pour la société à demain. Les journalistes ont cherché à gagner une information juste et exacte. Ils ont coincé madame non avec question. Madame non a essayé de gommer pour répondre à une question. Mais les journalistes là, il y a taquinel. Pour qui ça vous fait? Il n'y a pas fait parce que vous êtes emmerdé, parce que vous avez des problèmes avec madame. Il y a fait pour la société. Parce que si demain, le coup a passé, nous ne parlons pas de parler en pile, mais le journaliste est en train de vendre, il a alerté la société. Donc voilà un cas côté que les journalistes ont des informations. C'est un service qui rend la société. C'est qu'on est les deux, qu'on est qui s'est passé dans la société pour qu'on prendre de bonnes décisions. C'est sa définition du journalisme. Et on leur a attaqué un journaliste. Dans l'exercice fonctionnel, parce que la fête travaille, eh bien, c'est premièrement un cas de méchanceté gratuite, injustice sociale, et surtout c'est un cas d'ignorance liée parce qu'on ne comprend pas comment un journaliste a procédé pour l'information. Et on ne comprend pas tout que c'est le rapport journaliste à la société. Parce qu'il y a des autorités qui comprennent que les journalistes sont les gens qui sont là pour dire des choses qu'ils auraient aimé seulement. Tant que si mon gars pouvoir, journaliste doit dire bagaille qui pour faire pouvoir plaisir. En plus l'autorité comprend ça. Michel Martelly comprend ça, l'autorité dit que journaliste va faire pas les pays à mal. Le dit ça qui a passé. Et en plus l'autorité qui comprend que journaliste là c'est un monde qui là pour dire bagaille qui fait monde qui gagne pouvoir plaisir. Et au même pour essayer corrompre journaliste, leur offrir l'argent, offrir poste et si l'autre bagaille pour capable dire la vérité.
Mais l'on fait ça, on détruit la démocratie. Parce que dire ce qui se passe, permettre à un citoyen de connaître qui est capable de prendre une bonne décision, mais c'est là une réalisation d'une société démocratique. Et c'est pour ça, 1986, la société a été faite, et que gagné 1986, pour que tu aies un changement, pour que le monde soit capable de gagner liberté d'expression, pour que les journalistes, aujourd'hui, aient dit ça qui mérite de dire, pour que la société ait pris de bonnes décisions. Donc en gros, c'est ça qu'on est capable de dire. Les journalistes ont subi violence parce qu'eux-mêmes ont relaté violence. C'est du bagaille, c'est ou bien les journalistes là, ça qui arrive, ils font révéler ça, les procédures de justice qui dit qui ça pour faire. Le journaliste dit un bagaille qui passe ça, soit fait diffamation, ou bien ils font révéler, ça qui arrive, ils font révéler, son monde lié. Mais lorsque les journalistes là, ils disent des bagailles qui sont vraies, ils disent la vérité ou attaquent sur ça, c'est méchanceté, c'est injustice. La violence est devenue totale et plurielle. Il y a dans la société avec autonomie, il peut être dans l'État, non pas qu'à connaître, parce que, et ou pas qu'à accuser l'État, ou qu'on est, c'est son violence qui est terrible et qui inscrit dans l'époque morbide de la vie. Ouais, son époque de grande et monstruosité. Et on dirait nous perdu la peine, nous perdu la carte. Haïti pas qu'on niveau violence. Et dans le 19e siècle, on peut compter sur les doigts combien de journalistes ou bien combien de voix autorisées qui disparaissent comme ça. On peut songer l'exécution des frères Kouakou, on peut songer l'affaire Darfour, on comprend, on peut songer Luc Désino qui mourit, qui victime, famille, tout bas. Mais après, on vient faire enquête, on connaît que Luc Désino, tu peux pas te finir trop bien, mais c'est des bagailles qui nous pas habitués. Et déjà, sous ma gloire, le drame ça a été fait, c'est qu'une musique qui était sortie, faut juger, c'est ton bagaille intolérable et inadmissible. Je dis à lui passer comme ça, et des gens, des valeurs, comme, et gain tant d'autres tout que nous perdus comme ça. Et son drame, et c'est ça qui nous montre combien métiers journalistes là sont métiers qui sont dangereux, sont métiers à risque. Et c'est là encore pour dire son métier, pour saluer vraiment et le monde de la presse. C'est éco-société. Hein. Donc, c'est une question de rôle. L'app marché avec lui. Quand on me dit, l'app, il faut qu'on a qui nous l'a parlé, pour qui nous l'a parlé et comment l'a parlé. C'est ça, moi, que l'app fait. C'est ça que, qui bat le problème tout. Parce que justement, la PCIE et mélanger la société, à parler avec elle, écouter et remettre les saltandés. Donc, je ne sais pas quel rôle spécial ni qui est différent. Avec qui les sacs viennent arriver, c'est que la société, pas non, avec qui les a marché ou l'on a un cafou, côté la pentrée sous démocratie. La mettez démocratie en action, pour ainsi dire. Et Kafou ça, son Kafou qui tout à fait dépamment à route l'État prend. Depuis Haïti, l'État prend route. On me dit, et route ça, son route qui n'a pas gagné à voir avec la démocratie. Donc, on y a. Un grand problème, c'est que la société a démocratisé l'école pour compte Koli. Le journaliste là, a traduit ça et yo tous les deux fait coussicui à l'État. Ces journalistes là, li gagnent, le dit la vérité ça retourne contre lui. Et qui ça ka gagne? D'abord ça ka fait que journaliste là impact sur lui, l'influencer li gagne un sentiment d'insécurité sous ça le bra dit et ça va capable venir faire rentrer dans ça relé en cas d'autocensure, li pral essayer peut dit quelque bagaille, la PC chercher comprendre qui ça ka gagne comme impact avant les bas information, ça c'est un élément. Deuxième élément ça qu'on gagne tout, autorité on chercher comme nous t'ai dit tout à l'heure corrompre journaliste là pour chercher où est si journaliste là capable aller dans sens pâle et en sens ça aux jeunes des journalistes tout ou jeunes des journal tout li même yo même tout yo conseiller effectivement adapter yo à sa autorité va dire vraiment. Ou quand j'ai des journalistes qui entrent tout dans la compromission, de sorte que yos amis autorité. Moi-même personnellement, dans le contact, dans la relation avec un pile de monde dans plusieurs secteurs, moi connais des journalistes qui utilisent le pouvoir dans le micro pour gagner contact avec l'autorité, pour gagner contact chef. Dans ce sens-là, ils vont chercher soit gagner
éléments, par exemple, au lieu que ça relie le bâton et la carotte, donc il y a des journalistes qui font choix pour gagner une carotte là, au lieu de bâton, hein, ils cherchent à coopérer et gagner l'autre problème encore, un problème éditorial à poser. Hein. Étant donné que les journalistes ont gagné possibilité pour bénéficier du privilège de métier, hein, yo qu'on fait un choix éditorial, yo dit au lieu que m'aller contre pouvoir plutôt m'essayer chercher zame pouvoir plutôt m'essayer chercher bay nouvelle dans le sens qu'a bon pour nous dans le sens que nous mêmes nous ka gen profit ça quand nous mettait quelques journalistes en conflit avec les patrons yo des fois yo fait ça sans patron yo pas connait yo rentrer dans yo gen absé gen chèque quelque côté sans que par média côté travail là pas connait et gain deux fois tout média tout yo même tout yo konn gagne un rapport ça tout yo nourri tout avec chef yo chercher gagne un rapport dans ministère dans organisation de sorte que yo chercher et bénéficier parce que faut nous dire ça tout et en général moun ki nan position toujours aimer que journaliste parle bien de yo yo toujours chercher connait qui genre pour journaliste yo soigner image yo parce que journaliste là la presse là tout yo gagne ça comme rapport le journaliste dit un bagage de bien de moun ou bien d'un groupe, d'une entité. Dans ce moment-là, il recevait un pile félicitations, un pile coup de fil pour dire ah mon cher, compliments, etc. Donc il remet ça. La réputation, ça fait l'affaire. C'est une forme de marketing. Donc journaliste, il fait une sorte de ça on dirait un bargain, une sorte de on le sait d'un mot d'acadie, un compromis. Il cherche à entrer en confrontation, il négocie. C'est le mot. Il fait une sorte de négociation de l'information. Et ça, nous l'on a en chemin ça, ou en forme de détournement de l'information, de la vérité, ou en forme de corruption aussi. Écoutez que, ou pas rendre service à la communauté, ou pas rendre service à la société, ou chercher à détourner avantage au profit personnel. Et ceci, ce n'est pas à encourager dans une société, écoutez que chaque monde doit rester dans la fonction. Parce que la fonction du journaliste, c'est la fonction de la vérité. C'est de dire ce qui se passe, effectivement, je me dis ça plusieurs fois, c'est ça la fonction essentielle du journaliste, c'est de dire ce qui se passe. Leur dit ça qui a passé, Jean Lia. Premièrement, ou en paix avec conscience ou sans tout faire travail. Deuxièmement, la société a lui-même tout récompensé par rapport au fait que ou jouer ou loup. Et de fait, dans ce sens, la démocratie en jouit pleinement. Parce que si chaque monde dans l'espace par eux fait travail aux gens qui le font, par exemple, nous avons la police a fait travail aux gens qui le font selon les normes, selon les règles de l'art. Protéger, servir le monde qui a besoin de protection, qui a besoin de servir, qui a besoin de service, sans qu'il ne pas chercher à détourner à moyen pâle, il ne pas chercher à faire répression, lorsque répression, c'est pas nécessaire, il fait fonction de sociale, mais société a équilibré, la presse là tout, l'équilibré lorsque il fait fonction, il fait en même temps, yo académiquement préparé, il y a un pile dans yo qui passe sciences humaines, qui passe ethnologie et puis qui choisit métier, mais c'est un métier qui vous oblige à traiter à chaud les données. Donc, pas gain recul critique souvent, pas gain. Et puis, voilà, je suis capable de dire, mais vraiment, dans la condition où il y a de travail aujourd'hui, c'est un bagage énorme. Qui permettent que la société a lié retrouver qui étudie lié par rapport à ce qui a passé dans la société, par rapport au fait que la KLI li connaît ce qui a passé, il n'a pas besoin de sortir, il n'a pas besoin lui-même, il n'a pas besoin de rentrer, il n'a pas besoin d'ailleurs, il n'a pas besoin d'accès dans des, par exemple, dans le palais national, dans le parlement. Un simple citoyen n'a pas parlement pour le compte ce qui a passé. Il n'a pas rentré dans le palais national pour le compte ce qui a passé. C'est journaliste là qui ont la possibilité de ça. C'est journaliste seulement qui a rentré dans le palais national, qui a rentré dans le parlement, qui a rentré dans l'institution pour demander information. Et pour rendre que, ou même qu'il a conscience que c'est un citoyen ordinaire qui n'est pas capable de faire lui, que le journaliste lui-même l'aller pour où? Il l'aller, il faut venir pour le doux ça passer. C'est pour le doux ça passer, c'est parce que les gens qui occupent les fonctions publiques sont redevables envers la société. Ils doivent dire société, ils ont une façon de rendre compte à la société et ces journalistes qui permettent d'entrer en contact avec les gens. Donc son gros rôle, fonction sociale du journaliste à jouer, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça comme ça. Et ne pas comprendre que fonction sociale du journaliste, c'est une fonction fondamentale d'information, d'éclairage et aussi une fonction qui est étroitement liée à la démocratie. Cette violence qui était vraiment perturbé moi, c'était en 28 mai 1999. Ouais, ça a 23 ans et me pensais à elle comme si c'était jodi.
ça toujours dans maille moi gagne un journaliste qui parle encore gagne temps mourir gagne un journaliste qui gagne temps quitter métier a mais moi toujours senti même stress là à chaque fois. Ce qui s'est passé 28 mai 1999, tu gagne une grosse manifestation. Une grosse manifestation, Port-au-Prince était chaud et puis tout média te voyait représentant yo à couvrir manifestation que des étudiants t'a fait, étudiants faculté sciences humaines, ethnologie, yo t'a protesté contre la vie chère, contre une série de bail qui pas te faire au plaisir. M'a songé toute cause manifestation mais la rue était vraiment chaud à cette époque. Donc journaliste te prend décision, nous pas marcher de grenin. Parce que à tout moment on malheur qu'arrive un journaliste l'autre pas connaît ou pas qu'a vienne porter assistance ou avec nous te gien temps réuni nous dit c'est mettre coq veille corps mais qui ensemble de mesures n'a prend parmi eux marcher ensemble. Donc nous dit si ça t'est arrivé que nous perdu dans couvrir événement rendez-vous devant le plaza. Donc effectivement manifestation a été très agitée et nous te gien temps senti l'elle rivé sous champ de masse li t'a pral encore plus agité. Donc nous te gien quelque temps nous te gien temps retourner nous fait ça nous t'a fait an al camper devant le plaza. Me songe m'te rencontré Rino de Mireur de Caraïbes FM devant le plaza et Vince Dubois qui était écrivain pour journal Le Nouvelliste devant le plaza. Et puis pendant n'a attendre l'autre journaliste comme ça nous tendait yon moun on yon na manifestant yo qui dit je dis a y a fini à journaliste ça en bas. Nous dit fini à journaliste nous dit moun ki bo li dit en bas ba cop police là mais au près là con journaliste nous tout nous courir descendre l'heure nous rivé nous joine Fares Duvernay à cette époque qui était reporter pour Signal FM. Nous joine ni qui m'a rendé avec un photojournaliste qui était relé Woody Chéri et puis il m'a rendé à journaliste là et puis Fares nan main Woody nan main Fares et journaliste là lui-même gè deux bras qui nan main deux trois policiers qui a bralé. Et à cette époque, c'était un backup du commissariat de Port-au-Prince qui était sous l'ordre commissaire Port-au-Prince Jean Colsramou. Et puis Colsramou était là, il vini, il dit "On a la journaliste là, nous pas quitter." Et puis nous dit "Pour qui ça pour yo la nèg là ça le fait au nom et journaliste et la police tap travaille, yo kembe monsieur qui a fait photo, nous dit nous pas kembe, il pas tap voler." Et puis commissaire a dit trop parler et nous prend la journaliste là, n'a pas monsieur. À ce moment-là, les nous ouais tout bon pral avec lui, Fares bon prend deux pieds journaliste là, nous vinn aider Fares tout, chaque monde qui a bon pied. Et puis policier eux-mêmes qui be journaliste là, il a râlé, il a forcé le rentrer dans pick-up là. Et Fares comme il était plus près, il était plus marin de à journaliste là, gagne un autre commandant qui a battu sur chaque domaine, qui a plagué de gros coups de bâton contre nan main en bâton noir. Il a battu sur domaine ça au phalange. Et puis n'a pas râlé commissaire a tout vinn aider dans râler journaliste là caméra écrasé nous gantan wè caméra volé mais kounya c'est sauver la vie journaliste là qui plus pour nous parce que Jean monsieur excité a Jean police nan backup yo excité surtout ça yo prend photo là dit le pap quitter monsieur yo pral avèl mais nous même nous peur parce que Jean nous wè fâché a journaliste gen chance pour le pas tourner la caille encore au fur et à mesure mon a vini mon a gardé. Et puis il y a les abus manifestants commencent à frapper mais il y a les abus ça vient jouer en faveur nous il décide de la gueule ba nous et puis backup là aller commissaire Paul sera pour aller et puis journaliste sont tombé à terre il ensanglanté tête lui cassée caméra écrasée deux mains Fares monté comme ça parce que m'pa ka contrôler combien coup de bâton le bras pantalon journaliste chiré parce que il était dans main nous n'a râlé grain tennis li perdu. Et puis nous prenons lit, nous venons devant le plaza dans le rendez-vous qu'on y a pour nous chita, pour nous prendre souffle nous. Entre-temps, un paquet de journalistes viennent rejoindre nous. Et puis nous vivons moment, nous crions ensemble, nous crions et puis nous décidons de mener l'hôpital général. Et puis Fares tout vient là quand moi Pétionville, maman me fait de l'eau sel, à tamponné main. Yo alerté Signal FM, yo alerté et parents li pour venir chercher li, et les madame ni pour venir dire que yo bat li sous champ de masse, viennent prendre pour la loi docteur. Ça c'était un moment qui terrible. M'pas jamais voulu revivre ça encore et nous gain preuve après que nous était capable perdu ou dit jour ça parce que il paraît dans l'après-midi dans la soirée commissaire Colsramo t'al dirigé en opération Carrefour Feuille un jeune garçon mouri. Donc faut gain monde qui pouvait mourir quand même pour journée. Nous bien content que collègue nous pas dans victime yo et chaque jour l'a répété ça si nous pas gagner élan de solidarité ça peut-être que nous t'a perdu Woody Chéri qui était un gros photojournaliste dans l'époque pas là et après nous qu'on fait ça fait blague tout
les nous ensemble n'a parlé parce que gagnon l'autre caméraman qui était relé à Rennes la guerre qui t'a travaillé pour Télémax à cette époque. L'ité malgré nous n'a problème non, lui même faut le filmer, faut le continuer travail. Et nous même tout nous t'a dit pas suspendre filmer pour qu'à Albaïli dans le journal pour voir qui sa journaliste va passer sous champ de masse. Donc lui même après nous dit ça que t'es pas cela comment on fait wap filmer wap crier parce qu'il était là crier dès là pas même pas même la gueule là avec caméra là même là dit la gueule pas faire comment de la gueule. Donc après ça nous vient Richard quand nous dit monsieur ça dit rinouri nous dit monter comique mon cher je dis pour qu'il soit pas trilé nous l'incident est passé là ça nous pas capable nous t'a crier ensemble. Mais quand il y a nous venons à demander monsieur ça passe là on filme ou en pleine action et puis on crie dit me pas de cœur me senti n'a perdu confrère et puis couyo t'a bail journaliste te fait nous tout mal s'il pas fait Jean l'a fait classiquement l'a fait nous l'audio mais l'a continué fait et ça qui grave là on croit que avec le développement des moyens de communication de masse avec le développement de la technologie la plus difficile pour empêcher de parler c'est pas que mon yo pas fait fake news non et c'est là qu'il y a un problème. La presse, il a vu nous gens vous sautent là-dedans tout. Gen fake news. Moun yo gen doit même prouver que haïtien tout gen jeblé. Parce que yo dit ça yo vle. Comme dirait maman moi, défait maman, bonjour par la vérité. C'est comme ça yo yé, c'est comme ça yo fait pour yé. Y inventer bagaille pour ka craser là ou vle craser ou bien là ou pas ka réellement rentrer sous ou comme par exemple quand il y a époque élection, yo besoin force au mettre à genoux pour mander ou vinn craser ou. Ok, il y a continué, j'ai continué. Où est-ce que je vais mais on me fait la presse confiance, me fait la presse confiance. Et je connais que si on ne parle pas, j'ai parlé, il y a besoin d'autres gens pour parler, il y a besoin d'autres gens pour communiquer avec la population. Et la population, lui-même, quelle que soit violence, fake news, qui a entré sous lui, il y a besoin de gens pour le trier, pour le calibrer. Je ne veux pas dire que la parole facile, je ne veux pas dire que personne ne peut faciliter. Ce que je veux dire, c'est que la bataille là, bataille la marée, quand on dit nous pouvons comprendre comment on a sorti. On a dit que nous allons disparaître. Nous-mêmes, Haïti et la presse, tout va disparaître. Tout. Si Haïti disparaît, la presse va disparaître. Si la presse disparaît, Haïti va disparaître. C'est ça, mais c'est tout. Et ce n'est pas tout ça qu'on va faire qui est plausible, c'est qui très possible. Parce que yo déjà disparaître. Sous quoi menti, mandé. Enfin. Bref, son bail qui est possible. Que réellement, il efface ou. Parce que Biden dit lui, et il n'a pas dit sans jouet, il dit si Haïti coule en bas, mais ben, si ça ne pas déranger lui. Ça a déjà arrivé, et il a cap fait lui. Il a des moyens pour faire lui. Mais ça ne va pas empêcher nous qu'on position. Je dis à nous que seule institution qui a marché, je dis, c'est la presse. Regardez pour elle. C'est seule institution. Après l'église, c'est seule institution qui a marché, je dis, la presse. Parce que la presse là, le gain est crise, au lieu que l'intensité le baisse, l'intensité augmente. Je dis à tout le monde, je dis à, côté que vous ne pouvez pas compter sur la police, vous comptez sur la presse pour compter ce qui va passer. Je veux dire, tout le monde a besoin qu'on ait une radio. Je veux dire, pas quoi, soit font un petit constat dans la rue. Pour chaque monde a une radio, soit dans le téléphone, ou quel que soit, tout le monde a une radio. Et on sait des journalistes, je veux dire, c'est vedette, tu vois. Pas besoin de citer, non. Il y a des journalistes qui passent l'après-midi, passez-moi après-midi de 3h, 4h, 5h. Toute société a branché. Parce que, premièrement, mon pas de travail, et je suis dans la caille, pas de faire rien, il y a un temps pour attendre la presse. Et la presse, c'est la seule institution à plein régime. Journaliste à 3h du matin, il y a la rue. Journaliste, il y a une base, il y a une base barbecue, il y a une pose des questions. Journaliste, il y a entré Matisse sans rue, même. Il y a le chercher qu'on information. Par contre, ça attire l'attention. Journaliste, la presse, je veux dire, c'est la seule institution qui est debout. Et ce n'est pas pour Grimesti, c'est deux institutions, je veux dire, tout qui est plus en bas d'attaque et banditisme. C'est la police avec la presse. Après, la police et la presse. Et malheureusement, la presse a même pour dire, des deux côtés, il prend. Il y a la police qui a fait répression sur la presse là. Il y a un peu de journalistes qui mourent. Ce n'est pas bandit qui tue. C'est une victime d'un exercice fonctionnel, malheureusement. Donc, ça veut dire que le journaliste là, lui-même, il y a à la fois pour faire face à la police, qui paraît même, en pile la police, qui paraît même journaliste, il y a un pile policier, c'est protecteur de journalistes, c'est amis policiers, journalistes, mais il y a un pile policier, tout paraît même journaliste. Donc, le journaliste, ça vient pour lever ni la police, ni bandit à la fois. Donc, en fait, mais ça n'a pas empêché que le journaliste là, je veux dire,
dans très bonne position pour le faire relais parce que son société en crise. Lors de crise, mais ça a la communication de crise qui fait que matin, midi, soir, ou bien je compte à passer. Ouais, donc ça veut dire que crise sociale là, n'est pas vraiment attaqué fonction média yo, n'est pas fait que journaliste pas fonctionner, il seulement créé un sentiment d'insécurité là avec journaliste là. Journaliste là connaît n'importe bagarre qui arrive n'importe qui là. Mais journaliste là connaît tout gain nouvelle. Ouais, et comme d'autres médecin et puis un tremblement de terre passé dans le pays ou bien une vague épidémique passé dans le pays, et bien c'est le sort que le sort que travail. Donc journaliste c'est le moment ça que travail pour faire. Je veux dire pays a chargé avec je veux dire encore grâce aux réseaux sociaux hein, grâce aux réseaux sociaux. Donc information yo coulé de source. Donc la presse elle pas en crise du tout. La presse pas en crise, au contraire, la presse c'est dans le moment ça, il gagne plus de travail, il gagne plus de responsabilité pour lui dire la vérité, pour lui dire ce qui a passé. Parce que la société dépend totalement vraiment hein, de la presse, je veux dire, de l'information. Et Caritas Jean Limouria, et souvent il y a des journalistes militants, Limouria même Jean pratiquement avec des procédés différents, mais tout aussi atroces que Jean-Dominique. Et Robertson Alphonse de Magic 9 et de Nouvelliste et manqué passé, nous manqué perdu, même genre, et me profiter, vous et sympathie m'baye Radio Le Bon Okaï avec toute communauté Okaï, là, toute jeune yotou, et by Magic 9, by Nouvelliste, by Franz Duval, by Nathalie, et compagnera Robertson, by Max Chauvet et toute l'équipe de Nouvelliste, et ça inquiétant, ça très inquiétant. Ça t'est arrivé en 2004, le nous était perdu, on bande jeune journaliste, et là, vin monte au bon tension sociale. Côté attaque, ça ressorti ou pas qu'on est. Mon cap fait violence, yo, d'abord, c'est pas fait violence là, cap rapporté en rien. D'ailleurs, violence sont bagay qui aggrave situation encore plus. Pas gain raison pour faire violence pour un bail qui peut être évident. Sou pas de vle yo filmer ou bien pas de vle yo prendre photo. Et pour qui sorte faire dans moment ou bien pour qui sorte faire violence, qui sa violence qu'on résout déjà à travers le monde, pas jamais violence résout rien. Donc c'est dialogue qui fait toute bagaille. Donc moun sa ou ka faire violence là, m'te ka di yo font poser. Journaliste là pas venir pour l'emmerder personne. Journaliste là a fait travail li. Si le film ou non mauvaise posture, c'est parce que tu as fait mauvais bagaille. Donc c'est ça. Et pour journalistes surtout, nous t'a conseillé d'équiper au mieux, prendre plus formation qui gens pour protéger tête dans la rue parce que violence là toujours là, il toujours existé. Nous t'a dit journalistes pour plus solidaire, gens ça était avant parce que actuellement il y a un manque de solidarité. Donc que moi remarqué qui pas de gain autrefois. Il y a 20 ans de cela, pas de gain ça. Donc, on t'a souhaité yo plus solidaire entre yo. On t'a souhaité journaliste surtout former tête yo, gain des formations en ligne, gain plusieurs autres moyens capable de former tête yo et responsable média tout capable de faire des séminaires pour journalistes qui gens pour protéger tête yo en temps de crise tout. En 2017, sur 180 pays, Haïti était occupé 53e place dans le classement Liberté de la presse Reporters sans frontières et faire. En 2021, Haïti 87e et en 2022 les 70e. Alors ce qui est année 2021, journaliste mourit en coup poule, l'air c'est pas violence sur fait sous yo. C'est une façon pour nous dire, travail journaliste yo a vinn chaque jour plus difficile. Alors que métier journaliste là, ak la presse, c'est bastion démocratie. Impunité sous crime ak violence qui fait sous journaliste yo, permet situation continuer donner. Dans journal Le National 4 mai 2022, Jacques Desrosiers, secrétaire général AJH, qui c'est Association des journalistes haïtiens, fait nous connaître. Il y a plus passé 20 journalistes qui mourent assassinés pendant 30 dernières années. Si tout, si nous ajoutons l'autre journaliste qui mourit pendant la reste année 2022, il est facile pour nous dépasser ou soit presque arrivé dans 30. Ce qui fait nous dire aujourd'hui, en Haïti, journaliste c'est un métier qui maquissant. Comme ça, nous comment détecte nous? Est-ce que métier journaliste là pas réorganiser pour faciliter exercice li et dans contexte haïtien? Qui est l'état, société civile là, ak citoyen yo ka jouer dans aider journaliste yo pratiquer ak améliorer exercice métier yo? Ki jan pour nous finir ak impunité en rapport ak violence, crime k'ap fait sou journaliste?